Ben, au contraire, les jeunes se sont jamais autant engagés. Simplement, on s'engage plus du tout comme nos grands-parents et nos parents s'engageaient. Nos parents, ils étaient encartés dans des partis, ils participaient à des syndicats. Nous, clairement, ça ne nous parle plus du tout. On va beaucoup plus militer en ligne, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le réel, en allant à des marches, à des pétitions. On n'a rien inventé, on reprend en grande partie aussi un héritage des militants plus âgés que nous. Mais au contraire, on ne s'est jamais autant engagé. Ça nous inspire beaucoup de choses, mais globalement, on sait très bien que cette élection, il y a des enjeux, il y a des choses qui vont se jouer, qui sont importantes avec cette élection, mais on sait aussi très bien que notre génération va continuer d'agir, va continuer de s'engager, parce qu'il y a énormément de sujets qui ne sont malheureusement pas traités par les candidats ou candidates à cette élection, et que les problématiques qu'on porte de justice sociale, de justice climatique, de lutte contre les discriminations, on va continuer de les porter, et que notre génération n'a jamais été aussi engagée. Et que les échéances de 5 ans et même plus sont si pressantes et si urgentes que cet engagement-là ne va pas faiblir.